6 mois à glacer au couteau du papier avec de l'acrylique. Le mur, 3,70 m de haut et 6 mètres de large. Vient la question de l'exhibition. Ligne horizontale, rouge. Recouvrir de transparence, lignes, stries, barres, traces, barres gelées, la nuit, le gris, le froid. Vient le printemps, vient la question de l'exhibition. Mais l'évidence est là, tapisser le mur ne neutralise pas sa matière. Engorgement rouge au couteau. Tentative, installation. Plus de sang, plus de larmes. Seule demeure la compulsion. Nécessité recule. Esprit lent. 24 heures pour comprendre la structure des motifs au centre du kéfir. La mer, le fleuve, pour de multiples raisons. Aussi, le kéfir du FPLP. À force d'esquisses et de prises de tête, alors qu'il est juste question de degrés d'inclinaison. La mer, le fleuve, pour de multiples raisons aussi. Les feuilles d'olivier vagues tout autour du kéfir trouvent spontanément leur place sur le mur à côté de la fenêtre. Les filets centrales des kéfirs palestiniens, les plus filets de pêche. Carreaux, épis de blé, barbelés, les interprétations sont multiples. Mais ce sont ceux du kéfir rouge qui sont calculés et dessinés sur le mur, à la règle, avec un pastel noir. Rouge est transparent et le pastel s'y mélange. Il faut charger la peinture. Les restes de craie et de carbonate de calcium sont mélangés au rouge avec du liant acrylique. La peinture s'en trouve éclaircie, opacifiée et plus épaisse. Cette phase de préparation s'impose dans le cas d'un fond sombre ou contrasté, si l'intention est d'obtenir un rouge conséquent. Teinte, valeur, saturation. Et effectivement, teinte, valeur, saturation rejoignent maintenant celle du kéfir et le contraste avec le fond est efficace. Cette fois, même dilué, l'acrylique est beaucoup plus opaque. L'attention est de débrouiller les fronts, ouvrir plus encore la figure entre décharges pulsionnelles et charges symboliques, entre soif et mélancolie, entre fuite et évacuation, entre mer et Jourdain, entre l'impérialisme, figure l'impérialisme intégriste et barbare de l'Occident. L'Europe tient puissance et fortune de son impérialisme dévastateur, de l'exploitation monstrueuse des pays du Sud, de l'esclavage, de la colonisation, toujours en cours, tenue par la dette et les impératifs économiques qui facilitent la poursuite de l'accaparement des richesses par ce qu'on appelle l'Occident. Ses colonies, l'Europe a expérimenté son autorité.
par le viol, la torture, les camps de concentration, l'apartheid et l'extermination des populations natives. Dans un même temps, des colons venus d'Europe créèrent leur État-nation sur des génocides. Et devinrent Canada, Australie, États-Unis. Depuis très longtemps, plus discriminés. C'est en Europe que les Juifs sont le plus discriminés. Apartheid. L'apartheid, les pogroms, c'est l'Europe. Et c'est dans l'Empire Ottoman que les Juifs peuvent trouver refuge. À la chute de l'Empire Ottoman, l'Europe se partage son territoire. Par antisémitisme, stratégie géopolitique, l'Europe est favorable au déplacement des Juifs au Moyen-Orient pour débarrasser son sol, mieux contrôler cette région stratégique. L'impérialisme occidental, mené par les États-Unis, impose sa loi au mépris de la justice de dizaines de millions de morts. Il crée et entretient des régimes corrompus et autoritaires, conserver la mainmise sur les richesses de ces pays. L'intérêt occidental comme l'intérêt des classes dirigeantes et des classes privilégiées à l'intérieur de chaque État-nation est de maintenir la division dans la population laborieuse pour invisibiliser la division de classe. Intérêt est de renforcer l'antisémitisme, renforcer la peur des musulmans, stigmatiser juifs, noirs, arabes et roms, attiser le racisme inconscient de chacun. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Vous avez le droit de vous abonner, de mettre j'aime ou j'aime pas, ou même un commentaire qui atteste. Qui relativise les allégations de cette vidéo. Ciao.